Donc voilà, je vous montre ce que, avec un peu de patience, hein, nous pouvons faire, obtenir une collection de quelques chats. C'est pas mal, hein? Non, je déconne. Allez, sérieux. Donc voilà. L'avoine, nous avons combien de chats à peu près dans la collection? Je les ai pas comptés encore. La dernière fois qu'ils ont été référencés, 350, il me semble. Donc, ce sont des petites figurines chatons qui sont, comment, la passion de la voix. 350. Et encore, il y a des cartons qui sont sur le côté. Comme les cartons sont pas beaux, je vais pas les montrer. Mais ce sont des trucs qui ont été trouvés dans les brocantes, dans les troquets-puces. Ici en Bretagne, on en a plusieurs. Hein. Et c'est quand même assez agréable. Donc, nous avons une petite collection là. Nous avons les plus petits. Il y a les plus grands qui sont étalés un peu partout dans la maison. Comme c'est chez moi, je ne vais pas vous faire visiter. Il ne faut pas pousser non plus, je vous aime bien, mais voilà. Elle a même des petits, des tout petits, tout petits, tout petits, la misère. Tiens, ben, montre-moi ça à la main. Voilà, des petits. Vous voyez, ça c'est son plaisir. Elle a des sujets qui sont, je ne considérerais pas rares, mais qui sont quand même assez agréables. C'est pas le simple chat à la con. Tiens la main. Montre-toi. Hop. Voilà. Vous voyez, un petit truc bien sympathique. Hein. C'est une collection qu'elle a commencé il y a combien de temps, la voix? 2 ans, 3 ans? Hein. Donc voilà. Ça, c'est sa pièce maîtresse. Elle l'a eu pour une misère. 2 euros. J'ai été dégoûté le jour-là. Donc voilà, messieurs et dames. En fait, une petite collection comme ça, c'est avec le temps. Tiens, mon... Ah, merci la main. Le grand. Ben oui, mais là, je suis en train de montrer mon salon. Ça m'énerve. Et je vais essayer de monter sur une chaise. Donc, du haut de 1m50. Voilà, à peu près. C'est une table de salon. Ça fait peur. Voilà. Et la main, tu n'as que des chats morts ou t'as des chats vivants? J'ai des chats vivants, hein, ils dorment. Bon, vivants. Voilà, bon. Heureusement, on en a moins. Messieurs, dames, je ferme. Donc, en fait, le MLM, c'est un peu ça. Il faut avoir le temps de le faire. Et avec le temps, vous allez avoir une petite équipe. Là, elle a fait une petite équipe de chats. Mais pour le MLM, c'est pareil. En prenant le temps, en construisant son réseau, vous obtiendrez quelque chose de magnifique.